Salut tout le monde, salut Chucky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre Let's Play sur Attack on Titan The Final Battle. La dernière fois, on avait vu un petit peu le passé des raids encore une fois. Et, le passé des raids, surtout le passé de Kif, mais c'est lié à Eren. Ensuite, on s'est dirigé vers Shiganshina, puisque nous allons débuter, redébuter l'arc de Shiganshina. Mais cette fois-ci avec le bataillon, sans le bataillon d'exploration, on fera via les yeux de la 104ème brigade d'entraînement, j'ai du mal. Et on va surtout sortir les lances foudroyantes apparemment, puisque c'est l'épisode 6, les lames foudroyantes, et c'est tout de suite en vidéo. シガンシナクに到着すると、すぐにエレンの皇室下によってソドモンを塞いだ。その後、ライナーを発見するも、巨人化され、内門側につないでいた馬を狙われる。そこでハンジたちは、エレン巨人をおとりに使い、鎧の巨人をシガンシナク内へと誘導する作戦を決行した。エレンをおとりにするはめになるとは。 だが、ライナーはエレンを大発だ。ライナーをシガンシナク内で迎え撃つぞ。待ってください。もう一つ危惧すべきことが。超大型巨人がまだどこかに潜んでいます。前回エレンはライナーを追い詰めましたが、ベルトルトの奇襲を受け連れ去られたのです。単純な対策ですが、 Let's go. Donc, normalement, oui, il n'y a pas de titan. Et il faudra juste affronter Reiner. Bon. Est-ce que moi, je peux... Ah oui, je peux taper quand même les parties du titan... Du titan cuirassé. Hop. Oh, calme-toi Eren, je veux taper aussi en fait. Bon, même si en soi, il y en a pas besoin. Hop. Ouhou, je suis où? Allez, vas-y. Défonce-le. Allez, hop, on va attaquer le titan cuirassé. Éliminer le titan cuirassé. T'inquiète. Bon, là c'est pas compliqué. En soi, dans le jeu, il est beaucoup moins fort que... Beaucoup plus vulnérable que dans l'animé. Hein. Hop. Alors on s'éloigne. On s'éloigne un petit peu. On va pouvoir... S'il te plaît, Eren. Mais Eren. Hop. Voilà, on va attaquer la jambe. Casser son armure encore une fois. Hop. On attaque. Oh mince. Ok, on s'éloigne. Oh. Là, à mon avis, à un moment, on aura la... What? À mon avis, à un moment, on aura le... On pourra contrôler Eren en titan pour pouvoir le démonter, le petit Reiner. Hop. Voilà. On s'est terminé. Fin de mission. Absolument pas. Mission réussie. Donc, du coup, il va se déchaîner. Je pense qu'à un moment, on va devoir sortir les lances foudroyantes. Ah. Je crois qu'on pouvait déjà le faire. ライダーから離れてください。超大型が降ってきます。ここは
Ok, alors Armin et Ren vont se charger du temps colossal. Bon, ils ont skip quelques éléments de l'histoire, mais tout est... Enfin, j'ai envie de dire que c'est bien parce que ça permet de dynamiser un petit peu tout ça. Donc, on pouvait déjà utiliser les lances foudroyantes ou avant ou pas? Mais... Viens ici! Reiner! Hop! Vas-y, reste là! Non. Oh, tu es pas content? Il n'avance plus. Ouais. Ok, on va utiliser nos lances. Lance foudroyante. Hop. Vas-y, reviens ici. Ici. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Les lances foudroyantes de près. Comme ça, on fait vraiment beaucoup de dégâts. Oh non, il a eu le temps de se soigner. Il a eu le temps de se soigner entre temps. C'est un petit peu chiant. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vite, on repart sur les bras. On repart sur les bras. Parce que j'arrive pas à viser les bonnes cibles. Cibler les bonnes parties. Voilà. Là, on est sur une partie qui est faible. Allez les gars. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop. Là, ça fait rien du tout, hein. Il a une armure. Hein. Ouais. Bon, là j'ai pu faire l'esquive. Enfin, de la dernière. Je sais pas comment dire. Bref, j'ai pu faire une petite esquive. C'était pas mal. Ouh, 120 000! Hop, tiens, on va faire une attaque avec Jean. Comme ça, on fait masse dégâts. Ouais, on fait masse dégâts, on faisait plus quoi. Hop. Allez, une dernière attaque! Mais. What? Oh, j'ai fait nimp. Allez, non. Reviens ici. Reiner. Oh là là, il y a tout qui s'effondre autour de moi. Hop. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Reiner? Non. Ok, je peux encore l'attaquer dans le coup puisque j'ai fait une esquive, mais ça fait toujours pas énormément de dégâts. Bon. C'est pas une partie faible, ça. Ça, c'est une partie faible. Non. Vas-y. J'ai un peu du mal, hein. Allez, hop, on attaque la nuque. Ça va que pendant qu'on attaque la nuque, il bouge vraiment pas, hein. Oh mince, j'ai plus de gaz. J'ai plus de gaz! En attendant, il a repris ses trucs. Hein. Non, tu te diriges pas vers Eren! Ush! On va changer de lame tout de suite. Vas-y, change de lame. Voilà. Ok, il n'avance plus. Hop! Sur les bras. Voilà. La jambe. Le mode de visée de ce jeu n'est pas simple. Voilà. Allez, la nuque. En plus, on a bientôt Jean qui est redébloqué.
Allez, encore un petit peu. Jean, maintenant. Est-ce que ça suffit? Ça ne suffira pas. Vas-y. Oh, 19 000. Pas assez. Encore une fois et ce sera bon. Hein. Hop. Vas-y. Les bras, les potes. Les bras, les potes. Voilà. Quoi? Oh, oh. Les jambes prennent moins les dégâts que les bras. Peut-être. Voilà. On s'attaque à la nuque. Oh là là, les 150 000. Non. Ah. Mais je fais nappe. Ouf. Allez, encore un petit peu les pattes. Non. Mais il lui reste rien là. Il triche, il a cran. Il a cran. Et en plus, il change de partie faible au moment où... Mais oui, il se rapproche des reines. Mais oui, mais oui. Quoi? J'ai raté? On a raté! Il a été beaucoup trop rapide! Alors qu'il lui restait ça! Non! Oh non. Oh, c'est bon, je l'ai vaincu. Mais bon, ils font genre qu'ils se remettent. Enfin, qu'ils se remettent. Oh, c'était un petit peu plus facile. J'ai mieux fait. Deuxième coup. ライナーの口の中から頷いてない。それでもやるしかない。ミカサ、ミカサ。いや、よくやった。ハンジさん。今だ、ミカサ。おい、まさか。ライナー、出て。 Tellement classe. Et maintenant, on va faire l'épisode 7, le plan secret d'Armin. Donc Armin et Eren contre le titan colossal, let's go. なんでか知らねえけど、俺は自由を取り返すためなら力が湧いてくるんだ。この作戦がうまくいけば、もう海を見には行けないな。僕はなぜか 外の世界のことを考えると勇気が湧いてくるんだ。エレン、起きろ。海を見に行くよ。自分で考えた作戦だけど、成功は僕がどれだけ耐えられるかで決まるかな。アルミ、 お前、大事には至らないあたりで切り上げるけど、あとは任せたよ。ほら、僕ってそんな勇敢じゃないから。いいや、俺が知ってるお前は分かってるよね。一緒に海に行くって約束しただろ。 僕がエレンに嘘ついたことはあった。だから何があっても僕の作戦守ってくれよ。クソ。エレン。勝負はもうついてたんだ。終わりにしよう。Alors le plan secret d'Armin. Donc ça veut dire qu'il va falloir affronter le titan colossal par nous-mêmes. Voilà, on doit faire de notre mieux, blablabla. Alors, comment on va faire ça? Titan colossal dans ce jeu est vraiment énorme. Éliminez le titan colossal avant de vous approcher des reines. Yes, je veux bien. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Ok. Oh, c'est aussi bien animé que dans l'opening. Incroyable. Alors. Hop, du coup, comment je fais? Mais il y a sa main!
Ok. Le string de Shiganshina a encore subi des dégâts. Y a quand même pas des parties qu'il faut viser là. What? Je comprends rien à ce qui se passe. Mais je peux même pas monter. Voilà. Vitesse insuffisante. Mais en fait il s'agrippe pas là. Voilà. Alors je sens que cette mission va être chiante. En fait le titan colossal, j'ai déjà pu l'affronter dans une mission du jeu sans le DLC. C'est ok, on va dire. Mais est-ce utile de montrer ça? Non. Oh mais... Ah mais attendez. Attendez. Je crois que sa partie faible est ici. J'en sais rien. Hop. Titan colossal se rapproche des rênes. Bah oui, mais je fais que dalle de dégâts. Je comprends pas trop comment on fait. Non mais... Plus il avance... Et du coup, oui, tout seul, ça me paraît bien compliqué de le marave. Mais si je me focus sur un seul point, il me semble que ça peut le faire tomber. Voilà. Non, on reprend. On reprend. Oh là là! Enfin! Allez, un autre. Voilà. Ensuite, on continue. Je m'acharnerai. Oh oh. Oh oh. Vite. Mais comment tu veux? Arrêtez de me faire rentrer dans son... Ouais. Ouais, ouais, c'est chaud. Hein. Tu as vu, c'est chaud, hein, Armin. Hop. Avec toute cette vapeur, je risque de mourir à brûler. Ouais, bah, fais gaffe à toi, Armin. En fait, il veut pas s'arrêter. Oh, je sens que je vais... Je vais pas l'aimer, cette mission. Je ne vais pas l'aimer, cette mission. Oh là là. Surtout quand, en fait, mes attaques ne touchent pas. Ah, boum. Ok. Mais... Est-ce que je joue RP ou pas là? Mais vas-y. C'est impossible. C'est impossible et j'ai plus de gaz. Change de gaz en plein vol, non? Ça ne marche pas comme ça? Oh, change de gaz! Change de lame aussi. Ouais, il est mort. RIP RN. Nouvelle désespérée. Ça va être compliqué. Ça veut dire qu'Eren, on a échoué. Qu'est-ce que je vais faire? Bon alors, j'en suis à la dernière partie. Normalement, il faut toucher les deux parties de chaque jambe de Bertolt, du titan colossal, et après c'est bon. Après, il commence à se rapprocher dangereusement. Je suis peut-être pas bien là. Vite! Vite! Encore! 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 Vas-y, Armin! Non! 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 Oh non, mais il restait rien! Il restait rien! Bon, alors en fait, la mission n'est absolument pas compliquée. En fait, il y a deux canons qui sont autour du titan. Vous les faites. Il est mort direct. Genre, vraiment, en même pas une minute. その知恵を絞ってようやくできる抵抗は、そうやって炙られ続けることなのか。なら、分かったよ。今楽にしてやる。 次はエレンと馬を。これは。
皇室か。取った。最初にエレンが動けないと思わせたまま、ある意味の抵抗も、皇室化した巨人のかかしを作るための時間稼ぎ。全ては僕の隙を作るため。 Franchement, la transition avec la fumée était pas mal. Hein, quand, au moment où il prend Bertolt et après transition, oh, il est devant Armin, c'est génial. L'aptitude d'Armin à se transformer en titan est désormais disponible. Donc, dans ce jeu, on peut voir Armin en titan colossal. Et du coup, Niv, épisode final vers l'océan. シガンシナクでの死闘を終えて調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残された愚者の書物とエレンが父から継承した記憶の中には、この世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、 9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非常な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、 1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団はついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。 Ok, l'ombre d'un titan, ils vont pas nous dire « Oh bah, il y a un titan assez spécial qui pop ici, non ?» Bon là, il n'y a pas de titan, non. L'océan n'est pas très loin, on y est presque. Eren aux cheveux longs. Ils m'ont mis une fiche comme ça, juste avant la mission. Alors, des titans viennent d'apparaître. Du coup, genre, Eren aux cheveux longs est différent du Eren. Bon, je sais qu'il y a des éléments sur Eren... Enfin, je sais que Eren dans la saison 4 change pas mal. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais quoi. Je sais qu'il change. Please, ceux qui ont lu les scans ne dites rien dans les commentaires, bien sûr. Mais c'est intéressant à savoir, on va dire. Alors, les titans se rapprochent de loin. Et du coup, c'est un petit peu la transition qu'on a entre la saison 3 et 4. Hop. De toute façon, c'est un petit peu dans le teaser aussi. Hop. Et, ouais, genre, c'est tous les genres de vidéos qui sortent, que je vois dans mes recommandations, genre, oh mon dieu, Eren a fait ça. Et je suis là, les gars, j'en suis pas là, donc moi je regarde l'animé, je regarde pas, je lis pas les scans. Je me fais spoil hein, par vos vidéos. Incroyable. Du coup, c'est un petit peu chiant. Et du coup, Eren qui tue les titans là, c'est pas très RP dans l'animé. Dans le dernier épisode, il était là. Oh, toi, je vais pas te tuer. Hein. C'est bien dommage que tu t'es fait transformer en titan. Voilà. Base de ravitaillement principale. Mission réussie. Ah, Armin. Armin se bat ici. Est-ce qu'il y a d'autres canons possibles ici? Ici. Moi je vais en faire partout hein. Eh hey. Non. Mais non. Construire une base. Un cheval qui est un petit peu chiant. Mais vas-y. Un cheval qui est pas très facile à manier. Hein. Ouais là ils sont pas très bien placés puisque il y a un canon qui... Eh hey. Hop. Un canon qui se prend un arbre. Non, en fait, sinon je fais ça. Voilà. Non, pas lui. Lui.
Boum! Éclate-les tous. Éclate-les tous, vas-y. Tiens, toi aussi, là. Bam! Allez, encore un autre. Il y en a encore un autre. On va tout exploser. Les chutes de FPS, incroyable. Oh là là, oh là là. Wow, 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 wow! Il reste un titan? Ah mince! Moi, j'étais là, oh, c'est bon, on est safe. On est safe. Ok, voilà, c'est bon, il est éliminé. Oh! On va refaire un canon là-bas. Moi, j'adore les canons. Oh oui, par contre, le canon le plus mal placé au monde, derrière un arbre. Tiens, qui voudrait automatiser. Allez, voilà, on revient plus proche. Par ici. Et d'ailleurs, j'ai pas vu Armin. Armin avec sa forme titan. Oh là là. Du coup, on va spoiler la saison 4, les gars. On va spoiler la saison 4. On peut voir à quoi ressemble Armin en titan colossal. Et déjà, on va dégommer tout ça, là. Alors, est-ce qu'on a des titans boss, là? On n'a pas de titans boss. Bon, allez. Allez, on les éclate. Allez, vas-y. Transforme-toi. Titan colossal. Ouais, en fait, c'est... Du coup, j'ai pu voir ce que c'était. Et regardez. Regardez sa tête. Un petit peu différente. Du coup, en fait, on a slay tout le monde. Hein. C'est une bombe. Là. Une bombe comme ça. Et en fait, c'est un titan colossal avec une tête un petit peu changée, avec plus d'ossements. Et il est un petit peu plus fin, en vrai, que Bertolt. Au moins, les deux respectent le même style du titan colossal, mais ils sont différents, on arrive à les distinguer. Les deux sont... Tu mets les deux à côté, ils se ressemblent pas du tout. Bon, du coup, on a tué tout le monde. On va changer de gaz. Ah, ok, ils se sont mis à côté d'une de mes tours. Donc ils vont prendre assez cher. Oh, les gars. Oh, les gars, eh oh. On n'attaque pas ma tour, hein. On n'attaque pas ma tour, du tout. Arrêtez, là. Hop. Est-ce que nous, on peut se transformer? Est-ce qu'on peut se transformer? Attendez. Ça fait quoi, ça? Je peux me transformer! J'avais oublié totalement! J'avais totalement oublié ça. Bon. Vous venez ici. Tiens. Ok. Hop. On lui met les patates. Oh, on lui met les patates. Allez, encore un autre. Encore un autre, là. Hop. Tiens. C'est quoi la jauge pour dire qu'on peut plus se transformer, là? Ah, enfin, que notre forme change. Ça doit être la jauge qui est en rouge, là, qui était verte avant. On a slayé tout le monde. Hein. Et voilà. We are down. Je sais pas comment on récupère ça. Je sais pas si c'est au fil du temps. Boom! Est-ce que c'était une bonne idée de faire ça maintenant? J'aurais pu les garder pour les combats contre les titans boss. Hop. Allez, on fait bugger tout le monde. Allez, on fait bugger tout le monde. Les FPS qui sont en chute libre. Hop. Est-ce qu'il reste un titan en vie? Putain, il reste encore un titan en vie. Hop. Il a réussi à résister. Hop. Tiens. Non, mais oh. On va escorter Revi jusqu'à la base. On va aller voir Sacha pour récupérer des lances foudroyantes. Et voilà, dernier titan éliminé pour aider Sacha. Et du coup, préparatif de base terminé. Ok, donc pendant l'escorte, ça fait comme à la dernière mission du scénario principal, du scénario du bataillon d'exploration, en fait. Hop, le dernier à se faire escorter, bah, il y aura plein de titans qui voudront sa mort. Hop, et hop, élimination complète. Du coup, on va avoir deux vagues, j'imagine. Donc il va y avoir celle-ci. On va peut-être en avoir trois, puisque c'est le quatrième... Son quatrième bataillon. C'est pas le bataillon. Régiment. Non, c'est pas régiment. Je sais plus. Ouais. Donc ouais, là, on a les titans qui sont réapparus. On a des tourelles automatiques de partout. Genre, ils n'ont aucune chance. Mais ils vont se faire marrer. Genre lui, par exemple, là, lui, il est en train de mourir par terre. Actuellement, il ne peut rien faire. Voilà. En plus, tous mes potes vont le focus. Et voilà. Allez, passons au boss. On va tous one shot avec
avec Armin. Tu as réussi. Allez, faites-moi pop tous les boss. Il va y en avoir 10. Non, en vrai, il y en aura peut-être 3 comme d'habitude. J'arrive pas à croire qu'on va vraiment voir l'océan. C'est une sensation étrange. Qui fait tellement bizarre avec les cheveux longs comme ça là. Ok, il y en a 3 ou 4. Allez, on va déjà focus celui qui est là-bas. Il y a encore les titans ici, ok, je m'en occupe. Ouais, il veut toujours les tuer. Bon, éliminer le groupe de grands déviants. Bon, lui, il est tout seul, donc je pense qu'on arrivera à le gérer. On arrivera un petit peu à le gérer. On va utiliser Connie pour lui couper les bras. Comme ça, hop, faiblesse instant. Et on va utiliser Mikasa. Allez, Mikasa, comme ça on le one-shot, on y va. Assez rapidement. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Voilà. Toc. Allez, les gars. Allez, les gars. On utilisera Armin pour le prochain. Il a ses bras. Allez, les bras. Mince. Je pensais qu'on allait la voir. Allez, encore un petit peu. Voilà. Maintenant, on peut attaquer la nuque. Et Franck, je ne sais pas à quoi il sert. Il sert à rien. Son seul pouvoir, à lui, c'est de... c'est de balancer des flashs. Ils ne servent à rien, clairement. Oh, ils sont moins impressionnants, quand même. Hein. Allez. Vas-y. Toi, c'est tes jambes. Hein. Le point faible, c'est tes jambes. Zoup. Allez, vas-y. Tac. Et allez, vas-y. Allez, vas-y, mon petit Armin. Déglingue-le. Il est pas mort. Mais il fait que dalle de dégâts, Armin. Ouais, bon. Okay. Mais on lui a fait zéro dégâts. On lui a fait zéro putain de dégâts. Mince. Oh. Oh, par contre, lui, il est vraiment mal placé. Pour lui, hein. Bah, nous, c'est parfait. Hop, lui il est au milieu des canons. Donc même quand il récupère sa protection, voilà, lui il a rien fait. Allez, il reste plus qu'un. Il reste plus qu'un. Alors regardez, les canons sont en train de lui tirer dessus. Il peut rien faire. Hop hop hop. Tiens, on va utiliser Connie juste pour lui couper les bras. Voilà. Comme ça, plus de bras. Donc plus de chocolat. Ou plus d'humains. Comment on veut. Selon comment on voit ça. Et hop, allez, encore un petit coup. Allez, encore un petit coup dans les bras. Là. Il a une jambe et un bras en moins. Vas-y. Je rêve où ça... Ah oui, sa nuque et son point faible. Allez, Mikasa, on le termine. Ça fait zéro dégâts puisqu'en fait, il a plus de partie. Ouais, toujours pas mort. Toujours debout. Mais tu t'es pris pour Renault, toi. C'est terrible. Hé hey. Enfin, non, il est plus trop debout, là. Hop. Allez, encore un peu. Voilà. Enfin. Allez, dégage, maintenant. の記憶で見たものと同じなんだ。まあ、
向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。C'est beau, n'empêche. Et là, on nous sort un petit ending, même si... me semble-t-il qu'il y a quelque chose encore après. Oh, c'est stylé. C'est stylé. Et donc là, voilà, Yuki Kenji pour la voix des Eren, bien sûr. On le sait, on le sait. On a cet ending. Les crédits de fin. Il me semble que ce n'est pas la fin. Ok, donc, il me demande de terminer tous les épisodes Histoire du bataillon d'exploration et Histoire de la 104e brigade d'entraînement pour débloquer encore plus d'épisodes. Donc, on a un scénario secondaire que je ne sais pas comment... Je ne sais pas encore comment le débloquer. Il faudra, à mon avis, terminer les missions extramuroses puisque je ne les ai pas toutes faites. Voilà, il reste ça. Et il reste... Ouais, il reste les deux combats extramuroses... enfin 3 et 4 à terminer. Je pense que ça pourra nous débloquer un troisième scénario. Donc on verra bien ça la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde.